des affrontements à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa, à quelques heures des célébrations du Nouvel An juif. Sur cette vidéo amateur, des Palestiniens retranchés essuient des tirs de la police israélienne. Selon des témoins musulmans, les policiers sont entrés dans l'édifice religieux et ont provoqué des dégâts. Les policiers affirment s'être efforcés de fermer la porte d'accès. Dans un communiqué, la police explique que des jeunes manifestants palestiniens se sont barricadés la nuit dernière dans la mosquée Al-Aqsa en vue de perturber les visites de juifs avant le début des célébrations ce soir du Nouvel An juif. Des tuyaux susceptibles d'être remplis d'explosifs artisanaux auraient été retrouvés à l'entrée de la mosquée. Les affrontements se sont poursuivis à l'extérieur sur l'esplanade des mosquées, qui est aussi le mont du temple pour les juifs, premier lieu saint du judaïsme. Mercredi, la tension était montée quand le gouvernement israélien a déclaré illégal le mouvement des Mourabitoun, un groupe musulman en grande partie informel qui affirme défendre l'esplanade des mosquées.